Bonjour le Conopsycho, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis à Londres parce que j'étais invité pour faire des vidéos sur FIFA. Parce que oui, j'ai une première chaîne qui est sur FIFA. Bref, là on nous a invité pour faire un petit tournoi, tu vois, 5 contre 5. Je suis pas chaud, mais on va rigoler. Il y a des trucs à gagner et si je gagne, je vous les offre. C'est promis, c'est parti. Bon, si jamais, je vous présente vite fait mon équipe. On a Abdoulaye Sarr, dit le prof. Crâne magique, apparemment, on espère qu'il va mettre des têtes. Parce que clairement, au niveau technique, c'est pas ça. On a Arsène, hashtag LinSkyFC. Alors, on peut vous dire qu'on l'a recruté parce que bon, il est bien signé dans un grand club. On espère qu'il va faire la différence. On a l'Artsoft. Alors, honnêtement, bon, je pense qu'il est un peu comme moi. On sait pas trop ce qu'on fait là, mais on va jouer. Et on a un pro allemand avec nous parce que Rocky dormait. Donc, j'ai pas d'image de Rocky qui dort. Mais le pro allemand, c'est lui. Et il a l'air plutôt pas mal, donc je pense que ça peut le faire. Tu vois, Pierre, je viens de finir l'entraînement. Je suis déjà fatigué. Par contre, je sais pas si t'as vu, mais là-bas, il y a un truc défi FIFA. Je pense qu'on va aller le faire. Et mettez dans les commentaires combien j'en mets sur 3 frappes, dans les petits trucs. Merci Pierre, super. Pas que j'oublie de te virer, toi. Bon, au final, je vais en faire qu'un seul. Parce qu'après, on va faire un défi français contre français. Donc, du coup, vous aurez le défi. Mais là, je fais une seule frappe. Combien vous pariez? Moi, je pense que je la mets. C'est ce qu'on appelle une énorme déception. Je vais rentrer à la maison. Tu vois là, quand je suis comme ça, ça fait trop genre je suis un grand joueur de foot et tout. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, je suis éclaté. C'est juste tirer des coups francs et mettre des crossbars, c'est tout. Rien d'autre. Tu vois les joueurs qui ont une étoile en geste technique et deux étoiles en mauvais pied? Bah moi, c'est pareil, sauf que j'ai une étoile en mauvais pied et pas deux. On va faire un défi français contre français. Le premier à 20 points gagne. Celui du haut, c'est 10 points. Celui du milieu, c'est 5 points. Et celui d'en bas, c'est 2 points. Pour la victoire! Robert, Jean-Claude Darchebois! Jean-Claude Darchebois! Allez! La concentration! Jean-Claude Darchebois! La frappe! Et c'est raté! Voilà! Un 5 on gagne! C'est pas dur, regarde, c'est juste là! Arsène, le point de la victoire! Le point de la victoire! C'est qu'on a gagné, Arsène! Toute ta pression sur toi là! Oui, Arsène! Arsène! Allez, Arsène! Mais Arsène! Arsène! Ouais! Mais ils ont les doigts dans les apparemment, on a gagné. Oui, alors, apparemment, trop de pas d'élan, mais toutes les équipes ont fait pareil. C'est parce qu'ils sont mauvais joueurs, mais on a gagné. Tiens, ça l'a. Y'a quoi? Papa! Voilà comment va une aînée. J'ai la dernière. Si je mets n'importe où, on gagne. Ça va le faire. Allez. Merci, au revoir. Allez, merci. Bonne nuit, c'est bonne journée. Merci. Allez, 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 salam. Ça va ou quoi? Ouais, un commentaire ou... Non, ça va aller. Ça se défile un peu. Non, mais tranquille, tranquille. On est là pour jouer. Je pense que c'est une belle initiative organisée par la ville de Londres. Nous, on est ici pour développer les activités, pour montrer aux jeunes la solidarité entre les peuples et les pays. Donc voilà, nous aussi... On était là pour paquer sur Facebook. Premier match nul, deuxième match perdu, j'ai plus de cheville, plus rien, il y a des mecs qui jouent un peu trop leur vie. Donc du coup on va faire notre dernier match pour perdre et rentrer à l'hôtel, ça sera très très bien comme ça. Voilà. Bien joué. Maman, je t'aime, c'est pour toi. Bon, fin de nos matchs de qualif, une victoire, une défaite à nul. Victoire contre l'équipe française, donc ça fait plutôt plaisir. En tout cas, je vois que je manque énormément de physique. Et sachez que bah du coup, ça va vraiment me remotiver pour reprendre le sport. Parce que l'année passée, je vous avais parlé d'un truc qu'on n'a pas fait. Là, cette année, ça va reprendre, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et puis bah du coup, voilà, on va encore voir ce qu'il y a à faire. Et puis je vous dirai au revoir un peu plus tard. Victoire sur le quatrième match.
J'avoue que je suis perdu, donc je sais pas si on va encore continuer à jouer, mais on verra bien. Bon, en fait, je reprends la parole parce que je pensais que le tournoi était terminé, mais en fait, pas du tout. On était qualifié pour la petite finale qu'on a jouée et qu'on a gagné 2-0. Et devinez qui c'est qui a marqué deux buts ? C'est moi ! Enfin bref, donc c'est plutôt rigolo. Et là, bah, apparemment, il y a une remise de trophée, on va rigoler. Donc les deux équipes françaises, qu'on avait deux engagées, ont fini deuxième et troisième, donc c'est plutôt cool. Et j'ai représenté la Suisse, moi, mais ça m'a fait plaisir. Voilà. On a pas reçu une médaille ? Merde ! Bon, bah voilà, la journée se termine et du coup, on a fini troisième. Et en fait, bah, y a que des récompenses pour les premiers. Donc du coup, je suis déception. Mais bon, ma récompense à moi, c'est vous. Et ça, c'était une belle phrase. Allez, prenez soin de vous, c'est Psycho 17. Ciao.